Hi Mina, c'est Kyo-chan et on vous retrouve sur Conquer Bad Fur Day, toujours avec Sif. Hein. Salut tout le monde. Et toujours pour un épisode rempli de merde. Oui, dans la merde jusqu'au cou. Voilà. Parce que quitte à faire de la merde, autant en étaler sur tous les murs. Hein. Précisément. Ah bah voilà, maintenant je peux aller au bouton. Parce que maintenant il n'y a pas le mur qui me gêne. Non, maintenant il y a de la merde. Qu'est-ce que c'est? Pilule de confiance. Pilule de confiance. C'est du Viagra? Je sais pas. Ah d'accord, c'est pour ne plus avoir les brassards pour nager. Ah et du coup tu pourras aller sous l'eau. C'est ça. Je devrais pouvoir nager sous l'eau. Ok d'accord, voilà c'est ça. D'accord. Pas mal comme concept. Ouais, c'est intéressant. Appuie sur B pour me faire plonger. Oh, on va plonger dans la merde. Dégueulasse. Puis une fois sous l'eau, maintiens B pour me faire nager. D'accord. Ouais, donc ça, tu dirigeais avec le joystick, j'y avais pensé, hein. Oui, quand même, s'il te plaît. Ok, on a compris. Oui, on a compris. Ok, donc en gros, ça veut bien dire que ça veut dire il faut plonger dans la merde. Ouais. Alors. Ouais, mais comme à l'épisode précédent, si vous êtes en train de manger, arrêtez. Bah déjà, je vais récupérer la vie qui est là. C'est cadeau, c'est donné. C'est gratuit. Voilà. Ça se refuse pas. Exactement. Par là, c'est... C'est la sortie, normalement. C'est, ouais, je pense. C'est de là où je viens, ok. Donc... Alors, où est-ce qu'il faut aller, alors? Par là, c'est pareil, c'est de là d'où je viens. Par contre, il faut quand même surveiller Conker, qui a une respiration, malgré tout. Oh, le taureau! Bonjour. On va mourir, vous voyez? Ouais, on commence à avoir des couleurs. Non, c'est bon. Ok, bon, on replonge. Je sais pas jusqu'où il faut aller en fait. Bonjour le taureau! Je pense qu'il faut plonger dans cette espèce d'anus. Sûrement. Ouais, c'est ça. Alors vous m'expliquez. Vous m'expliquerez pourquoi ça s'écoule pas? Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Vous m'expliquez pourquoi j'étais dans de la merde et que maintenant je ne suis plus. Bon. La logique. On dira parce que va te faire foutre. Et donc? Bah, il faut sortir puisqu'il n'y a plus l'autre. Bah, ouais. Bon. Ah, peut-être qu'il faut. Peut-être que maintenant il faut escalader l'espèce de tas de merde. Ah, peut-être. Ah! Ah, c'est magnifique. Bonjour. Et j'en fais quoi? Et j'en fais quoi? Je sais pas. Bon, moi on m'a appris que tout ce qu'on fait rouler comme des boules de neige ou des boules de merde, bah ça grossit. Donc je pense qu'elle va grossir en effet. Oui, elle grossit en effet. Oui. Bon, comment est-ce que... Je vais comprendre. Il faut se foutre sur le côté en attendant qu'il passe. D'accord. Oui, en effet, j'aurais pu le comprendre aussi. C'est aussi de la logique de jeu vidéo basique. C'est en fait. Ça, ok. Donc... Ah non. Alors, là, c'est lui qui s'y met, du coup. Ok. Donc, est-ce qu'il faut attendre qu'il s'y mette? Je pense qu'il faut attendre qu'il s'y mette, et une fois qu'il s'y est mis, tu montes. Ok, je crois que c'est ça, en effet. Non, dégage. Mais dégage. Ah, d'accord, il fait des allers-retours à la con, ok. Mais, putain. Sérieusement? Ok, donc là il va s'y mettre. Là, et là on avance. D'accord. Pattern de merde. Ah! Je suppose que c'est pour toi la grosse. Non? Et comment je passe ça moi? Je sais pas. Parce que là il me gêne. Ouais, ma boule de merde est coincée. Bon, moi je peux passer, mais ma boule de merde ne passe pas. Tu peux passer, mais ta boule. Donc j'imagine qu'en montant plus haut, on doit pouvoir le virer. Je suppose. Ah, ta. La fuite. Il est reparti. Il est reparti, c'est bon.
Est-ce que là, mets-toi dans le creux en attendant non, qu'il non, passe. Non, 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 il y va. C'est justement pour ça que j'y allais pas. Je savais pas s'il allait s'y mettre ou pas. Ok. Oui, à mon avis, il faut mettre la boule de merde ici. Mais comment est-ce que je fais pour passer le gros? Attends. Avant de chercher la solution, attends. Ah, attends, non, je l'ai vu. Il y a un truc ici. Il y a un truc qui arrive au-dessus de lui, mais je passe par où pour l'avoir, celui-là? Un truc qui arrive au-dessus de lui. Attends. En fait, il y a un autre chemin. Je crois que j'ai pas pris le bon chemin. Ah! Parce que là, regarde, celui-ci, si je fais celui-ci, il y a une plateforme qui arrête juste au-dessus de lui, en fait. Ouh, putain. Non, 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 non. Ok, dégage. ça va, il te poursuit pas. Ouais, ça va. Il me voit, mais il se dit, bon, ça va, il est trop loin, zut. Ouais, la flemme. Attends. Regarde, tu vois ici? Mais... Tu peux pas juste le sauter dessus? Non. Ah bah non. Et... J'allais dire maintenant je suis coincé, mais non, ça va. Je suppose qu'en effet, il faut amener la boule de ce côté-là, en fait. Ouais. Donc il doit y avoir un autre passage, je sûrement. Suppose. Je suppose. Attends. Où est-ce que t'es? Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Parce que la caméra ne met pas beaucoup non plus. Voilà, tu vas dans ton trou. Ok, donc là on va revenir en bas. Avec notre grosse boule de merde, qui grossit de plus en plus en plus. Voilà, c'est ça, va te mettre dans ton trou. Donc il y a sûrement un autre passage, parce qu'en effet, pour l'instant j'ai pas vu d'autre passage. Je sais pas, par derrière là. Là, tu veux... Sûrement, oui, sûrement. Donc on va essayer. J'espère que c'est bien ça qu'il faut faire, parce que sinon, sinon je sais pas. Bah ouais, sinon je sais pas trop. Sinon j'irai encore chercher la solution. Mais bon, ouais, mais à mon avis c'est ça. Hein, ça me semble logique. Bah si c'est pas ça, je vois pas ce que c'est d'autre. Ouais, voilà, moi non plus. On est bien d'accord. Oui, non, ça a l'air d'être ça. C'est ça, va bien dans le trou. Comme ça, moi je passe à ce moment-là. Parfait. C'est tellement ça. Allez. Voilà, on y est. Donc, voyons si c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Mais ma boule de merde alors! Et je fais quoi maintenant? Ah, d'accord. Pourquoi je cherche la logique, moi? Ouais, bon bah on t'en donne une autre a priori. C'est ça, je vais avoir une autre boule de merde, mais maintenant celle-là elle pourra passer celle-là. Yep. Ok. Bon bah voilà, problème réglé. C'est juste un petit peu redondant. Un petit peu. Bon, vous savez quoi? C'est ce que j'ai dit, tu peux pas sauter sur le côté là? Bon, j'ai perdu un carré de chocolat, mais c'est pas grave. Ouais. Allez, hop. Allez, ce coup-ci, maintenant, on repart dans le bon sens. Pour aller foutre la boule de merde de l'autre côté. C'est l'heure d'aller foutre la merde. C'est tellement ça en fait. Là honnêtement, toutes les blagues de merde, on peut toutes les faire, hein, sans exception. Oui, 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 toutes les blagues de merde, littéralement. Littéralement. Hip. Non mais je crois que tant qu'on sera ici, le niveau d'humour va voler très haut. Ah oui, oui, mais de toute façon, j'ai envie de dire, tant qu'on sera sur Conquer, l'humour va voler très haut. Oui, 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 déjà de base. Déjà de base. Je crois que les bousiers, c'est des Volkevich, parce que je crois qu'ils parlent russe. Des quoi? Des Volkevich. Ah. Parce que j'ai cru entendre qu'ils avaient un accent russe, en fait. Non. Donc je sais pas comment les Russes doivent le prendre, mais bon. Je sais pas. Ah non! Pourquoi tu es sorti à ce moment-là, connard? Il a fait tomber ma boule!
Ah le bâtard. Et en plus c'est ta def. Mais oui, il a fait tomber ma boule. Ah mais il a éclaté ta boule en oui plus. Et en plus il te reste un PV. Oui. Et tu vas mourir comme un caca. Déjà que je suis dans la merde. Oui, oui, jusqu'au cou. Alors ce qui est bien c'est que quand je tombe la tête la première dans la merde. Donc je perds pas de vie. Fabuleux. Parce que la merde amortit ma chute. C'est ce que j'allais dire, prenez note les gens, la merde amortit les chutes. si vous tombez dans un tas de merde, c'est safe. Voilà. Vous allez puer, mais c'est safe. Vous risquez pas de mourir. Est-ce que j'irai pas chercher de la vie, en fait? Si, ça pourrait être une bonne idée. Donc, petit détour vie. Oui. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent là-bas, mais comment je le récupère? Et du miel. Je crois plus tard, parce qu'à mon avis, il faudra sûrement aller dans la ruche, à mon avis. Sûrement, ouais. Alors, normalement, il y a un chocolat là-bas, oui, en effet. Au passage, je me rappelle qu'il y a une vie aussi. Aussi, oui, accessoirement. Donc tant que je peux farmer les vies, bah, je vais farmer les vies. Hein. Parce que vu qu'on peut mourir d'une chute trop haute, ce serait court de ne pas en profiter. Mm-hmm. Puis comme ça respawn, bon, voilà. C'est mon charco gratuit. Hein. C'est ça. Grâce à ça, je suis quand même à 7 vies, hein, je veux pas dire. Ouais. Bon, encore, allez. Soyons honnêtes, le jeu n'est pas si compliqué que ça, c'est juste que, bah, plateforme de merde, hitbox de merde... Ah bah, entre les plateformes et les hitbox de la N64 et le fait que, bah, le skill, tout ça... Voilà, c'est ça. Puis bon, on peut pas... d'une part, montrer du skill, et d'une autre part, raconter de la merde en même temps. Voilà, c'est ça. Et là, une chose à la fois, les gens. Et là, comme on raconte de la merde, bah, y aura pas de skill, quoi. Voilà, le skill, ça se mange. Voilà. Allez, j'ai un petit peu plus de vie, donc ça devrait aller maintenant. On va essayer de plus se faire avoir par les bousiers. Ce serait bien. Évidemment. Bon, note à moi-même de plus mettre la bouse devant le trou. Ouais, parce que sinon elle va encore se casser la gueule. Ouais, parce que quand ils en sortent, ils la font tomber. Ouais, parce que le truc qu'il y a, c'est que quand ils en sortent, bah, ils sont à ras du sol, donc du coup ils la touchent. C'est ça. C'est ça, parce qu'ils ont quand même pensé à la hitbox des ennemis qui touchent la boule, quoi. Ouais. C'est ça, bonne idée, rentre là-dedans, comme ça moi je passe. Donc ça c'était là où il y avait le gros. Voilà, donc c'est safe. Ça c'est safe. On est bien. Attends, où est-ce qu'il est? Il est là. C'est ça, rentre dans le trou. Voilà, fais ça. On lui fait coucou. L'autre il est là, et son trou à lui il est là. Voilà, rentre-y, c'est bien. Ah, mais qu'est-ce que tu fais, Conker? Conker! Oups! Non, c'est bon! J'ai vu le moment où la boule allait tomber. Oui, moi aussi. Ah, mais il y en a un là-haut, en fait! Oui. Tout ça pour ça? Je peux pas l'éclater d'en bas, ce truc? Bah... ouais. Là-dessus, il me rend une bouse, mais ça tombe. Ah non, c'est bon. J'allais dire ça tombe, j'ai besoin d'une bouse pour le récupérer, mais non, pas du tout. Non, ça va, c'est ok. Hey, t'étais où? Et hop, dans mon cul. C'est ça. Par contre, on comprend pas ce que tu dis. Par contre, j'aime bien. J'en ai plein les poches. Quelle poche? Bon, ça va, ici je peux faire des chutes mortelles, je tombe dans la merde, donc tête à première, donc je perds pas de vie. Ouais, là ça va, c'est ok. Voilà. Bon, donc je suppose que maintenant il faut prendre, bah, le passage qu'on a vu, hein, que je viens d'ouvrir. Oui, ça me paraît très logique. Parce que ceux qui se plaignent de « on est trop guidé dans les jeux », bah ici on n'est pas tellement guidé, hein. C'est des merdes. Non, hein. Là c'est des merdes. En fait, je crois que le seul moyen de faire moins guidé que ça, c'est Dark Souls. Oui, pas faux. Là c'est littéralement débrouille-toi, on te dit. Alors là je comprends pas, t'as enlevé ton masque à gaz mais t'es à l'intérieur d'une merde en fait. Ah, je sais où on est. C'est le fameux mythique du caca qui chante. Ah. Ça peut être que ça. Oui, c'est ça.
come finding? I was thought, ah, maybe he's just gone off, you know, like, do a bit of shopping or something. Never came back. Basil was next. He was just walking along, minding his own business. So I stood down and said, hey, Basil, how you doing there, right, mate? And he waved over. And that was it. This thing came out of the shape. And I thought to myself, oh no, I was getting out of here. So I had to hide first. And when I came out, I thought it was all clear. The lads are gone. The bastards are nailed me in. I'm out of here. Ils t'ont pas abandonné, ils ont été enlevés. Bah ouais. Bon bah le pognon, vu qu'on en a besoin, bon on va aller chercher le pognon. Hein. Uh-huh. Alors il est où le pognon? Là-bas. Ah non, c'est du maïs. Bring me some sweet corn. Ok, on va... Ben on va apporter le maïs. Ok. Alors, mais... Oh! D'accord. Ok. Bah au moins il m'a aidé en assemblant le maïs. Bah ouais, merci. Ok, où est-ce qu'il faut que je l'amène? Parce que sur le bouton ça sert à rien. Par là, ça m'étonnerait fort. Ah bah là-bas je suis con. Pff. Voilà. Splotch. Ok. Mon dieu! Les dents de la merde version caca! Les dents de la merde! C'est ça! Merde Shadow! Et ça c'est quoi? Ça fait rien pour l'instant, donc il y a peut-être du maïs encore quelque part. Là-bas. Oui, je voulais sauter au-dessus de la flamme. Ah ok, donc tomber là-dedans c'est mourir, ok d'accord. Tomber là-dedans c'est mourir, d'accord. Non sérieux, tu vas pas me refaire la cinématique quand même, on l'a vu, c'est bon. Oh non. Bon. Du maïs, oui. Bon, au moins t'as trouvé comment passer les cinématiques. Oui, j'ai trouvé comment passer les cinématiques. Il y a un bouton pour ça. Bien. Tu m'as raté. Bon, pour le coup, t'aurais pu assommer le maïs comme tu l'as fait la dernière fois, mais... Ouais, ça aurait été cool. Non. Il s'est même pas visé en plus. Non, non, non. Voilà. Le maïs, je l'ai. Je suis plus là. Hop. Voilà. Donc on va repasser la cinématique, hein, on l'a vu. Voilà, on s'en fout. Hein. Bon. Donc, et le B, là, il sert à rien? Bah pour l'instant, non, parce qu'il s'active pas, donc... bon, alors... D'accord, c'est de la merde. Oui, c'est qu'à de le dire. Ah non, mais de l'humour de qualité. Mais pourquoi tu... Pourquoi ça passe pas? Bon. J'ai encore perdu une vie pour de la merde. Ouais. Bon, alors, la cinématique, elle passe. Parce que c'est le seul chemin, on est bien d'accord. Oui, c'est par là que je dois aller. Hein. Bah, ça a l'air d'être le seul chemin. Ah! Non, 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 non! Ok. Bon, au moins, il a doublement assommé le maïs. C'est ça. Au moins, je sais comment éviter la main, s'il y a pas mal. Mm-hmm. Hop, on s'en fout. Voilà, alors. Donc, non, je confirme que le B il sert à rien. Mm-hmm. Bon. Comment on passe ce truc? Bah, il faut sauter au-dessus simplement, mais. Pourquoi il est pas passé, j'en sais rien. Mais je saute pas assez loin en fait. Hein. Ouais. Bon. À mon avis, il faut que je prenne sûrement de l'élan en fait. Faut pas que je fasse comme j'ai fait là. Parce que je pensais qu'en sautant plus haut ça marcherait, mais non, faut vraiment que je prenne de l'élan, je pense. Ouais, c'est tu veux juste passer loin en fait. C'est ça. Ok. C'est juste tout con. Okay. Je prends du skill, n'empêche. Hein. Ouais, bah il faut. Hein. Hey hop! Dans la merde. Bon, ce coup-ci on passe. Hein. Parce que ce serait bien de pas gaspiller toutes les vies que j'ai farmées jusqu'à présent. Ce serait bien, ouais. Ok, donc. Ah, ça fait mal en plus ce truc! Je pensais que ça me ralentirait, mais pas que ça me ferait mal.
Bon, hop. Et ben voilà. Ouais. C'était tout con. Non. Trop tard. J'ai vu l'ombre arriver. Ouais, Bon, moi ici, il y en a deux de maïs, donc... Voilà. Hop. C'est pas passé loin, quand même. C'est pas passé loin, en effet, j'avoue. Zut. Raté. Et c'est encore. C'est ça. Hop. Allez, maïs. Voilà. Bonjour. Ah, t'es... Tu bien surveiller les ombres. Ouais. Qu'est-ce que je viens de dire? ce serait bien de suivre tes propres conseils. C'est ça. Beaucoup de maïs. Bah, troisième zone, trois maïs. Hein. Ouais, la logique des jeux vidéo. Exactement. Ok. Et apparemment, c'est la dernière zone parce qu'après, il n'y a plus rien. Donc, ça va vraiment par trois. Hein. Mm-hmm. Comme dans tous les jeux de cette époque. Oui. Ah, mais comme je te dis, comme dans tous les jeux jusqu'à début PS2 à peu près. Ok, d'accord, la merde a assommé le maïs. Ah, mais merci. Merci la merde. C'est bon? C'est bon. Alors, qu'est-ce que c'est? Même si je me doute de ce que c'est. C'est bien ça. C'est le caca opéra. D'accord. Il a des dents en maïs. Oui. Attention parce que là il chante hein. Ah bah je sais pas. On peut même chanter avec. J'imagine tellement le doubleur qui a dû chanter ça. Ouais, Ah, rouleau de PQ, ok. Non, par contre, ça s'est raté. Ok. Ah, d'accord, il est là. Oui. Là, c'est le moment où je fais mon gros connard, mais c'est marrant, il me rappelle un peu Titan de FF14. Si tu le dis. Ok, donc il faut lui faire bouffer le papier cuit, d'accord, ok. Faut pas le balancer n'importe comment. Si, je suis dans quel merdier. Si, je sais dans quel merdier je suis. Il est mythique. Ok, donc il a couvert le B, donc il m'en faut un autre. Uh-huh. Et comme on sait qu'il y en a partout. Oui. Comme on sait qu'il y en a très exactement 3. On sait que le combat va durer 3 étapes. 3 coups, ouais. Allez, ouvre la bouche. Ah merde, enfoiré. En même temps, je m'attendais un tout petit peu. Ça aurait été trop simple. Oui. Raté. Voilà, bouffe. Ah, encore. Ok. Ah bah oui. Deuxième coup. C'est vrai. Deux papiers. Ah non. Putain. Mais je fasse attention à ma vie. Oui. En fait, il faut que j'attende qu'il commence à faire des vocalises. Ma vie. S'il te plaît, Conker, ma vie. En fait, je sais pas si vous avez vu, mais il s'arrache littéralement des morceaux de lui-même pour me les balancer sur la gueule. Ouais, ouais. Voilà, c'est bon.
Voilà, nouvelle chanson, enfin, troisième partie de la chanson. Oh, la musique s'emballe! When I've knocked you out with all my bab, I'm going to take your head and ram it up my butt. Quoi? Your butt. Butt. Your butt. That's right, my butt. My butt. My butt. Ah! Si on continue à le faire chanter, il va faire péter la vitre apparemment. Ouais. Non, mais c'est sérieux, Conker. Oh no. Vous vous rendez compte que je vais devoir me retaper le boss? Oh no! Et merde! Bon, ça va, au moins je devrais me retaper le coup du maïs. Ouais, c'est déjà ça. Alors attendez, on va attendre donc qu'il ouvre la bouche pour ne pas perdre de la vie inutilement. Oui, ce serait bien. Ok. Ok, donc là il change de place. Attends, ce que je peux faire par contre c'est... Non, raté. Allez, ouvre la bouche. Voilà, bouffe. Avec un magnifique bruit de chasse d'eau en plus, j'ai sûrement de le capter. Bon, je vais pas vous remettre la chanson parce qu'on l'a déjà vue et je perds du temps en plus. Ouais, on s'en fout. Hop. Et ben, l'épisode précédent c'était épisode de merde, ici ce sera boss de merde. Suite logique, hein. Oui. Raté. Oui, vas-y. Ok. Ça va, je prends en skill, ça va. Ouais, ça va, tu commences à prendre le coup de main. Je commence à prendre le coup de main. J'ai déjà compris comment esquiver sa mère, donc ça va. Ouais, et ça c'est quand même un sacré plus. C'est sûr. Ne serait-ce que pour ta barre de vie. Oui, complètement. Ah! Non, raté. Dommage. Ah non, attends. Il ah, fait... peut-être. Non, raté. Ah, dommage. Ah, bah attends, mais il change de l'autre côté. Mais change, vas-y. Vas-y, voilà. En plus, il est court parce qu'il chante 4 fois, quoi. Il demande vraiment, vas-y, jette-moi du papier cul dans la bouche, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vas-y. Bon, ça on s'en fout aussi. Ouais, on s'en fout. J'ai hésité à la laisser pour le truc de dans ton fion. Mais bon, bon allez. Saute. Voilà. C'est quand même pas compliqué quand même. Faut croire que si, puisqu'il s'est planté. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Ok, hop, c'est bon. C'est bon, où est-ce qu'il est ensuite? Là. Heureusement la caméra bouge toute seule, donc ça c'est pratique. Ouais, ça va. Ok, ensuite. Eh, dommage. Ah. Sérieux, putain. C'est bon, je l'ai eu. En même temps, il commence à comprendre comment ça marche lui aussi, donc il est plus rapide. Ouais. Et comme l'angle de visée n'est pas extrêmement pratique... Ouais. La musique est ultra rapide. Bon, tu chantes? Parce que là, ça sert à rien ce que tu fais. Allez, ouvre grand. Non. Raté. Raté. Encore raté. 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 Il va me donner le tournis. Ah merde, évidemment. Par contre, là, il s'arrête plus. Ah si, il s'est arrêté plutôt. Oui.
Allez, dépêche. Parce que le chronomètre tourne. Hein. Bon, je dis ça, je dis rien. Hein. Ah. Évidemment. Ah putain, il est derrière moi, comme par hasard. Mais t'es sérieux? Putain, mais il va jamais être du bon côté. Hein. Dane! Bah voilà. Encore une fois, je suppose. C'est ça. Non mais c'est bien, y'a pas que moi qui me tape des boss chiants. Oui, c'est ça, ça commence. Parce que autant le premier, l'espèce de botte de foin robot, il était pas chiant, c'était juste l'après qui était chiant. Ouais, lui par contre, il commence à être chiant. Non, pas encore. Là, ça va être bon, je crois. Par contre, je me suis fait avoir. Évidemment, du premier coup, ça aurait été... Ça aurait été trop beau. Conquer, s'il te plaît. Non, je vais pas l'avoir. En même temps, le temps que je me retourne, que j'ajuste l'angle et tout, et que je balance... Bon, par contre, il y a... Ouais, puis en plus, comme t'as pas de HUD sur le truc pour savoir précisément où tu lances... C'est ça, exactement. La caméra, c'est vraiment un peu à la one again quand tu lances. Hein. Putain. Qu'est-ce que tu fais, Conker? Ça y est, j'ai perdu mon skill, ça y est. Le skill s'est envolé. C'est ça. Là, il va changer de côté. Putain, mais il est jamais du bon côté! Bon, ok, il est où? Il est là. Voilà, je t'ai eu. La bonne technique d'attendre où il est, en fait. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. C'est au pire, t'attends juste qu'il arrive à un endroit. C'est ça. Ah. T'as vraiment une sale gueule, hein. Ouais. Oh, une chasse d'eau. Non, de l'autre côté. Ah, il faut repasser là. Bon, Conker. Ok, c'est bon. C'est bon. Ok, c'est bon. Le plus dur est fait. Ouais. C'est court, mais c'est ça le plus dur en fait. C'est que quand la plateforme est plus difficile que le boss. C'est ça, c'est la plateforme qui est plus dure que le boss. Y'a des sous! De l'argent! Alors déjà on prend les thunes et après on tire la chasse. Et hop là! Et attendu! C'est ça. Et on tire la chasse. Shrink. Merdosite. Ah, on lui fait coucou les petits gars. On lui fait coucou. On lui fait coucou. Il en a chié. Oui, les blagues de merde jusqu'au bout. Ah ouais, ouais, non mais on est bien. Bon, ce qu'on va peut-être faire, c'est que on va descendre jusqu'à la porte qui s'est ouverte. Mmh. Et après on s'arrêtera là, je pense. Bah ouais, je sais pas combien on en est, mais... Bah on a 33 minutes justement. Ouais, donc on va s'arrêter là. Ok. Splotch. C'est tellement ça. Heureusement que c'est des... Heureusement que c'est des trucs de merde, donc je tombe tête à première dedans, donc je risque pas ma vie, qu'est-ce que je viens de dire? Normalement le boss est tué, hein. T'es sérieux là? Attends, non mais... Quoi? On s'arrête là! Je verrai pourquoi bien... Pourquoi t'as atterri là? Je sais pas pourquoi j'ai atterri là, c'est une grande question justement. En fait, ce qui est génial c'est que j'ai pas perdu de vie. Bah ouais. Je suis pas mort. Mais j'espère pour vous que je dois pas me retaper le boss. Je pense pas. En fait, je me demande si la sortie me menait pas là, en fait, mais bon... Tu vérifieras vite fait sur la solution pour être sûr que qu'il n'y a pas un autre endroit derrière. Si pas, je devrais retourner là-bas. Mais bon, ouais. On s'arrête là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Donc, après un épisode de merde, un boss de merde. Non, mais c'est de la merde jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Bienvenue dans Conquer Bad Fur Day. Je vous sers un merdier.
Je vous sers un verre de chiasse. C'est ça. Bon, allez. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, me dire si vous avez aimé, me dire, pour ceux qui connaissent le jeu, si vous avez des astuces, ça peut aussi nous aider, hein, Sif et moi, même si c'est moi qui joue. Mm-hmm. Et n'oubliez pas que dans la description, il y aura la chaîne de Sif, hein, n'hésitez pas à lui faire un petit coucou. Oui, viendez, on est bien. Voilà, et là-dessus, on se laisse là, et on vous dit, ciao tout le monde! Bye! Drawing by and a secret, I find.